Salut les anciens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme d'habitude pour le compte-rendu du vide-grenier geek de Parents Purs. Là, cette fois-ci, ça a été une dinguerie. Autant les derniers comptes-rendus de vide-grenier geek, j'avais pas trouvé grand-chose. Là, j'ai craqué complet. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir tous mes achats. Mais il y a eu au moins quasiment 200 euros d'achat de cartes Pokémon et il y a des dingueries à l'intérieur. Il y a des figurines, un petit peu de jeux vidéo, du coffret DVD collector, bref, beaucoup de choses. Je suis trop content de ce vide-grenier. Je me suis régalé en termes d'ambiance, en termes de gestion, comme d'habitude, Guillaume, si tu passes par là, c'était incroyable, c'était trop bien. Et comme il y avait énormément d'exposants, ben, il y avait pas mal de nouveaux exposants et j'ai pu récupérer des trucs vraiment très sympas. Petite précision, le tour que je vais vous filmer, il était 15h quand j'ai fait le tour, il faisait 40 degrés. Donc autant vous dire que j'étais vraiment en mode chill sur ce petit tour de vide-grenier. Parce qu'en fait, le matin, j'ai pas eu le temps du tout. Entre le fait d'arriver, de mettre le stand, de chiner, je suis revenu sur mon stand, il devait être 10h30, de 7h à 10h, j'ai fait que chiner. Après, de 10h30, on va dire à 13-14h, il y avait du monde, donc forcément compliqué de sortir du stand et d'aller faire les vidéos, etc. Du coup, je vous ai fait ça, je vous ai fait le petit tour vers 15h. Et en plus, j'ai oublié d'aller filmer à l'intérieur, sachant qu'à l'intérieur, il y avait tous les artistes, etc. J'ai complètement zappé, donc mais pour le coup, vous allez avoir que les exposants vendeurs d'objets. Bref, je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve juste après pour le compte-rendu qui va être dinguissime. A de suite. Ah oui. On est parti pour le légendaire tour du vide-grenier. Il est actuellement 15h20, c'est un bordel sans nom. Depuis ce matin, on est arrivé à 7h. De 7h à 11h, j'ai pas mis un pied à mon stand. J'ai acheté énormément de choses, vous allez le voir dans le compte rendu. Ça fait plaisir de fou. Là, ça s'est bien calmé, je pense que les stands ont été bien vidés et tout, mais je vous fais quand même le petit tour pour vous montrer. Hein. C'est un des plus gros vide-greniers en termes de mètres linéaires. Il y a, je crois, 240 mètres d'exposants. Beaucoup de jouets, de mangas, de jeux, il y a pas mal de cartes Pokémon, j'en ai trouvé quelques-unes aussi, du jeu vidéo forcément. On va faire le petit tour ensemble. Il y a vraiment de tout. Ça, j'en ai acheté pas mal ce matin, vous allez voir. Les figurines Pokémon, il y a eu du gros craquage. C'est joli ça. Petite carte du Blokex là, il y a des trucs sympas aussi, mais pas du tout les prix dessus. Ah si, 25. Combien de Mario Kart? 30. Ça piquait un peu, c'est dommage, parce qu'elles sont vraiment très belles. 20 euros. Et le métamorphe, 20 euros. Et là, il n'y a rien. Ok. Beaucoup de cardas, du jeu à gogo. Moi, je prends un petit peu le temps comparé à d'habitude parce que là, ben, de toute façon, on est sur une fin de journée entre guillemets, donc je suis pas pressé. J'ai fait tous mes achats ou presque, je pense. Je suis pas sûr que je rachèterai autre chose. J'espère. Hein, si jamais je retrouve une pépite là en direct, ce serait cool. Mais je pense que ça a été quand même bien ratissé depuis ce matin. Bon là, c'est des stands. Très connus, de revendeurs connus, donc au niveau des tarots, hein, ce sera pas forcément les plus intéressants, mais bon. Ah, les petits porte-clés à 15 balles, hein, ils sont mignons. Le Pikachu, il est sympa. Je verrai. C'est ici où j'ai acheté un énorme lot de figurines Pokémon que je vous montrerai tout à l'heure. Et du gros craquage. Et en fait, j'ai même pas eu le temps finalement de tout fouiller quoi. Donc là c'est la première fois que je regarde dans ces bacs depuis ce matin parce qu'il y a vraiment eu mais le gros rush du matin de 7h à 11h où j'ai chiné comme un porc. Voilà, ça ce bac il était bien plus rempli que ça ce matin. C'est moi qui l'ai vidé. Mais ouais du coup ça je cherche le collector mais là apparemment il n'y a que la figurine, c'est dommage. Et du coup ouais, c'était le rush de 7h à 11h et après bah, j'étais sur mon stand donc j'ai pas pu trop sortir. Il y a eu pas mal de monde. Donc, on en profite tranquillement là. Ok. Faire le tour. Voilà. Ah ouais. C'est de Roland Garros je crois. Au moins c'est un français. Vous regardez là-bas. On va pas se tromper. Il y a du Magic à gogo là. Beaucoup de cartes Magic. Joli ça. Star Wars.
Parce qu'on a un peu de tout là-dedans. Du jouet, des consoles, de la loose, de la manette. Toupie Beyblade. Comme quoi. Vraiment de tout. Ça, j'ai pas vu par exemple, c'est quoi ça? Ça, je sais pas du tout. Le tour. Oh. Elle est à combien cette figurine? Celle-ci elle est à 5 euros. Faut que je vous envoie mon frère. Ça se stand par exemple, j'ai même pas vu. J'ai même pas vu les figurines. Je vois même qu'il y a du Dragon Ball et tout là-dedans. Ouais, faut que je repasse avec mon frère après parce que là, c'est sur, voilà, sur les fins de journée comme ça qu'il faut bien regarder parce qu'on peut trouver des petits trucs cachés un peu partout. Les gens n'auraient pas forcément fouillé tellement qu'il y a de stands en fait, c'est impossible de tout voir. Wow, la méga WSF. Wow, elle est incroyable. Je vais repasser avec mon frère après sur celui-là. C'est bien vidé, non? Ouais, c'est pas mal vidé, c'est clair. Ça a l'air, en tout cas. Non, franchement, la journée s'est bien passée. Oh, mais nickel. T'as des cartes Pokémon, toi? Ouais. Vous pouvez demander le prix. Là, du coup, faut demander le prix. Et là, c'est 50 centimes. D'accord. Mais j'y étais ce matin, toi? Oui. Ah oui, les avais ce matin. D'accord. Quand tu me croises en broc chercher des cartes Pokémon... C'est pour le fils, non? C'est pour... Ouais, c'est un stand, ça c'est le stand où il y a le plus de jeux, c'est indécent. Et où vraiment il y a des pépites partout. Là c'est un délire. Regardez-moi tout ça. C'est le pack Kirby, c'est le fourreau. Ouais, c'est quand même cher. Magnifique. Là c'est... En termes de quantité, c'est... C'est la folie. C'est en termes de qualité de jeu, c'est un truc de fou. Après, bien sûr, faut avoir le porte-monnaie qui va avec, parce que c'est des jeux qui valent cher, quoi. Mais si jamais on veut se faire plaisir, là, regardez-moi tout ça. C'est un truc de gueule. C'est un truc de fou. Ce stand-là, il a vraiment une quantité astronomique de jeux. C'est indécent. C'est un truc de fou, tout ce qu'il y a. Alors après ici on va avoir tout ce qui est Lego, figurines, etc. Des choses qui vont moins se m'intéresser. Jeu ici. Et rien de fifou dans les jeux. La Cardass Magic. Oh, ça fait chaud. Waouh. Dès que t'es au soleil ici. Ah, dès que t'es au soleil, c'est un enfer en fait. Ah ouais. T'as eu courage. Ça va, t'as réussi un peu à... Ça va. À vendre un peu, ouais. Ça va. Moi, je sais plus personne cet après-midi. Ouais, là, ça commence à être dur. Hein. Je pense qu'on va pas faire long feu, nous. Parce que là, tu t'attends longtemps pour pas grand-chose, là. Hein. Ah non, mais au soleil, c'est intenable. Oh, je vais faire un tour rapide, je suis en train de crever. Il y a du vintage un peu Dragon Ball. Là, faut que je libère mon frère, je pense qu'il a plein de trucs qu'il a pas vu. Oh, l'enfer. Oh. Baldur's Gate. C'est marrant celui-là. Steam Bad Chronicle, Agent TV. Est-ce qu'on en passe? Position collecteur de Dead Space en 20 balles, ça va. Dommage que ce soit un peu abîmé. Pokémon Platine. Ah, des jolis titres, hein.
Et il y a quand même toujours, comme d'habitude, des bonnes affaires à faire. Vous allez le voir dans mon compte rendu, mais j'ai récupéré vraiment beaucoup, beaucoup de trucs et vraiment à des prix hein, très intéressants. Après, il y en a beaucoup, c'est des connaissances, des collègues et tout, donc forcément, j'ai des prix que peut-être vous n'auriez pas si vous arrivez sur des vignes Grüning comme ça sans connaître. Mais... Merci beaucoup. Oh, putain, cette chaleur. Ouais. C'est horrible. Tu as vendu ta petite pépite ? The Note, non. Personne n'a daigné la regarder. Ça, t'as réussi quand même à vider un petit peu. Ouais, finalement, ça donne envie. Ouais. Bon. Ça va. Pour ça, Louis, t'as la Wii, papa. La PS, ça, c'est la NES. Oui, mais la PlayStation, il coûtait tellement cher à une époque, le Nino Kuni. C'est la première fois de la journée que je fais le tour des jeux. Je vais réfléchir sur un tour. Ça marche. Wii U, qu'est-ce qu'on a là ? Koneba. Ça me passe. Celui-là, on le voit souvent, mais celui-là, un peu moins déjà. Ah, celui qui est joli. On continue avec de la figurine manga, de la popinette à gogo. Bonjour. Un peu partout. Donc là t'as du fighting. Et là t'as ça, c'est allé avec les, ce que j'appelais les cardasses ou les condales. Ah oui d'accord. Il y avait une du Dragon Ball à gogo ici. Ah, go, go. Manga. Il y en a que je cherche, mais là je ne les vois pas. Ah, c'est ça que je cherche. J'ai pas su, forcément celui-là, j'ai déjà. Sinon, c'est pas drôle. Je fais le petit tour sur mon mode chill. Hein. Je parle pas beaucoup, mais parce qu'il fait une chaleur, c'est compliqué. Là, ce stand était déjà la dernière fois. Donc, j'avais déjà un peu tout regardé de ce qu'ils avaient. Ah oui, ça va être plutôt de la pop culture assez classique. Il y en a une autre, c'est le figurine et tout, mais pas de dengouz. Ouais, non, ouais, c'est bien. C'est super bien. D'accord. Oh, c'est le bord qui prend tout ce qu'il y a de la stand de bébé. C'est celui qu'on fait. Je vais pas des effets. On avance tranquillement, il y a quand même encore tellement de stands. C'est le paradis du jeu vintage ici. Moi j'aimais, c'est que tu sais, sur les pubs. Tiens, bah voilà. Donc là, sur ce vigne-grenier, étonnamment, il y a eu beaucoup de jouets vintage. Parce qu'on ne trouve pas tout le temps forcément, mais du coup, je pense que ceux qui aiment collectionner du jouet vintage, ils devaient être contents aujourd'hui. Parce qu'il y a vraiment du stock. Bon, forcément. Le coin de Geek in Japan, donc ça, je l'avais déjà dit dans la dernière vidéo, mais la boutique à Bordeaux. Du jeu vidéo à gogo encore. Du livre. Du Pokémon, du truc japonais. Bonjour! Ça remballe. Non. Ça prend pas une petite télé. Ouais, on a quasiment fini le tour. Ah, ça y est, ça remballe. Oui. Il fait un petit peu chaud. Ah, la chaleur, elle est. Non, on a besoin de. Elle est compliquée, ouais, je comprends. Beaucoup de jeux vidéo encore. Fantasy
Elle est jouée cette manette. On voit pas souvent ce coloris là. Encore du jeu vintage. Sans arriver, une semaine après, ça driftait quoi. Tout neuf. Et ils ne driftent pas ceux-là parce que moi j'en ai utilisé un pour une. Ouais. Switch. Il drifte pas. Celui qui driftait, je l'ai foutu un peu. T'as Pokémon Crystal. Et il est encore là. Attends, on voit pas souvent celui-là. Je pense qu'à 85 heures grand max. Il fait tellement chaud, ça serait pas jusqu'à 6 heures. Ah, 6 heures non plus. Hein. Ouais. Bon, ça canarde. Il y en a encore partout. Il y en a partout. Et en termes de quantité, c'est vraiment monstrueux. On va pas tarder, hein. Il fait tellement chaud là, la plupart des gens ils sont. C'est pour partir, oui. Mais je comprends parce que. Là c'est dur. Ah, c'est Ethel. Ah, mais c'est. Et je crois que c'était l'autre dame. De Paris ? Je l'attendais, ça là, dans ma tête. Je comprends que là les gens ils partent, vraiment. Il fait, comme je dis, c'est pour ça que je fais le tour, que je parle pas beaucoup et tout, parce que vraiment il fait 40 degrés. Donc, en train de cramer au soleil, donc je fais ça en mode chillax. Et puis après, là, je vais aller me poser. Hein. Je vais faire juste amener mon frère au stand là-bas pour qu'il voit le Digimon. Là. Mais je crois qu'aujourd'hui, j'ai fait mes achats. C'est. Contrairement à récemment où je trouvais pas grand-chose, là, j'ai quand même trouvé beaucoup, beaucoup de trucs. Donc je suis très content. De ma matinée de chinage. Il y a le gros stand avec plein de jouets ici. C'est monstrueux. Ah, les pet shops. Oh, les pet shops. Ça va, ça résiste. Ouais, on est chaud. Ah, ouais. En train de cuire à... Oh, là, c'est compliqué, là. Tout à l'heure, c'était un feu doux. Là, c'est... Là, ça devient compliqué, ouais. Le PSA et en gros avec l'abonnement et tout ça revient à 15 balles de carte. Donc quand t'as un PSA 9 c'est pas forcément parce que ça vaut plus du boost presque. Un PSA 10 en vrai. De la Cardass à gogo. Et ça c'est vraiment sympa par contre. Les tapis, ils sont vraiment très très beaux. Mais là on a à peu près fait le tour du stand du vide-grenier. C'est beaucoup vidé parce que la chaleur est étouffante donc je comprends. J'espère que ce petit tour vous aura plu. C'était un petit peu long, on a un petit peu de tchatché, je verrai si je fais des cuts ou non, ou si je vous laisse en mode chillax avec moi. Et puis, on se retrouve surtout pour le compte-rendu qui va être assez incroyable. Allez, on va être parti en caméra comme ceci, pour pouvoir vous présenter au mieux les achats, sachant que j'ai acheté beaucoup de cartes, forcément, mais aussi plein de petites figurines, etc. Avant de commencer ce petit compte rendu, petite pub comme je le fais maintenant sur toutes les vidéos pour le vide-grenier spécial carte à collectionner qui aura lieu le 28 avril de l'année prochaine. Je vous affiche l'affiche justement de l'événement. N'hésitez pas, je vous mets le lien aussi dans la description à aller vous renseigner. Ça va être fou furieux pour tous ceux qui aiment les cartes à collectionner et qui sont sur la Nouvelle-Aquitaine, on va dire, en tapant un peu plus large, n'hésitez pas à vous déplacer, je pense que ça va être une dinguerie. J'ai déjà un peu expliqué, j'en reparlerai plus tard. Mais comme ça, on fait la petite promo. Avant de passer aux réels achats, je vais vous montrer ce qu'on m'a offert. Donc Gwendoline, si tu passes par là, merci beaucoup. La petite serviette de Kyuubi qui a été gagnée à la tombola organisée par l'association. Et finalement, elle n'en avait aucun intérêt. Faudra juste que je vérifie parce qu'étant donné qu'on a fait ce tombeau-là, je ne sais pas lesquels il me manque. Et je ne sais pas si Kyuubi on l'avait ou pas. En tout cas, elle est trop bien et au pire des cas, ben, on gardera celle-là et l'autre, on verra ce qu'on en fera. Et ensuite, la dinguerie, on commence très fort. Là, c'était... je vous la mets là, quoi. Pour ceux qui savent, c'est une dinguerie, cette figurine. Guillaume, encore merci parce que ça, en gros, je ne l'ai pas payé. C'était un trade, un petit échange qu'on a fait avec Guillaume, donc l'organisateur du vide-grenier, qui fait des tombolas et tout, du coup, pour chaque événement. Et moi, à la fin du vide-grenier, j'avais encore plein de grosses pop, des trucs qui me prenaient de la place et tout, et j'avais la flemme de les ramener. Et du coup, je suis allé le voir pour savoir s'il voulait faire un échange. Et comme il savait que cette figurine me faisait plaisir, bah, il m'a proposé d'échanger du coup tout ça
contre cette figurine encore. Merci beaucoup. Elle va aller dans la vitrine à côté de ma masterlise de couleurs et ça va être incroyable. Elle est trop trop belle. J'ai hâte. Bref, merci en tout cas à ces deux personnes. Et maintenant, on va penser au porte-monnaie, à ce que j'ai acheté, ce qui m'a fait dépenser de l'argent. Tout d'abord, deux achats hop, un petit peu atypiques parce que j'ai acheté deux coffrets DVD collector. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'aime les collecteurs, que ce soit en jeux vidéo ou autre. Et bien là, je suis tombé sur deux coffrets collecteurs vraiment sympas, avec ce coffret de Harry Potter, donc que j'ai pris pour ma femme, bien sûr, en tant que fan d'Harry Potter, hein, je pouvais pas lui laisser passer ça. Dans le coffret, il y avait ça qui fait pas partie du coffret. S'il y en a qui savent d'où est-ce que ça peut venir, c'est des pièces de Harry Potter et la Chambre des Secrets. Elles sont très très jolies, des petites pièces comme ça. Voilà. Et il y avait ça aussi qui apparemment de base ne fait pas partie du coffret. Donc un petit galéon donc de Harry Potter, Gringotts à l'école des sorciers, 2002. C'est vraiment hyper sympa. Et le gros du gros, c'est le coffret en lui-même. Avec du coup, à l'intérieur, dès que je l'ai ouvert, en fait, j'ai dit, bon, je le prends, c'était 15€ les coffrets DVD. Je vais vous montrer du coup ce qu'il y a dedans. La petite lettre de Harry Potter dans le placard sous l'escalier, c'est incroyable. À l'intérieur, on a des petites... presque des photos, mais comme si ça sort de chez le photographe, quoi. Plein, bah je vais vous les montrer, allez. Plein de petites photos, tac. Celle-là, elle est trop cool. Donc voilà, vous avez plein de petites photos à l'intérieur. On a tout ce qui est, on va dire, un papier qui explique. Il y a des posters, il y a des petites affiches. Le petit papier qui explique tout ce qui est à l'intérieur. Et ça, c'était ouf quand j'ai vu qu'il y avait ça à l'intérieur. Donc trois boosters de Wizard de Harry Potter. Et les mecs ont tout gardé tout proprement. Bon, ils ont été ouverts, les boosters. Mais c'est trop trop beau d'avoir ça à l'intérieur. Et en plus, il s'avère que dans un des boosters, donc c'est celui-ci, regardez, pour ceux qui connaissent Harry Potter, il y avait une carte comme ça, là. Je sais pas comment ils appellent ça dans Harry Potter, mais c'est les cartes les plus recherchées. Bon, là, on a Dean Thomas, que moi, personnellement, je connais pas, donc ou peu, en tout cas. Mais trop, 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 trop classe d'avoir ça à l'intérieur. Donc bon, écoutez, pour l'instant, on laisse tout comme ça. Je pense pas qu'on les sortira du coffret, parce que ça, je trouve que ça fait un petit peu stylé. On a les petites cartes postales, il y en a 9 ici. Toujours, vous voyez, tout est complet en super état, quoi, avec le bandeau encore. Forcément, le DVD, et en dessous, la BO originale du film. Donc ça, c'était pour le petit coffret Harry Potter, donc vraiment très très content. Je rangerai après. Hop, on va juste le sortir de l'écran. Et ensuite, ça c'est un petit coffret que j'ai pris pour moi, parce que je suis fan de ce film. J'ai adoré, donc je suis fan de DiCaprio en général, dans tous les cas. Mais ce film Aviator, il était vraiment très très cool. Et du coup, j'ai trouvé le petit coffret collector. Donc, c'est une belle boîte, hein. C'est une grosse grosse boîte. Hop, je vais pas vous le déballer, mais je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on a le steelbook du film Aviator. On a un grand livre. Et on a surtout la petite réplique de l'avion d'Aviator. Donc, c'est vraiment trop 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 classe. Donc, les petits coffrets là pour 15€ pièce. Donc, 30€ les deux. Ensuite... Hop, j'ai acheté du jeu vidéo, j'en ai acheté que deux. Parce qu'en jeu vidéo, j'avoue que je commence à avoir du mal à trouver des titres qui m'intéressent. Et malheureusement, la plupart des titres qui m'intéressent coûtent une fortune maintenant. Donc ça devient compliqué. Mais j'ai quand même trouvé deux choses qui me fallaient. Surtout ceci, c'était le Resident Evil Révélation, parce que j'ai le collector, mais il me manque le jeu. Donc je suis content de le rentrer en scellé directement, comme ça il ira dans le collector, il ne bougera pas. Et ensuite, la belle petite trouvaille, c'est ce petit Wally sur PS2. Il est sous blister, je ne sais pas si c'est le blister d'origine. Honnêtement, j'en ai aucune idée, mais je pense que oui. Parce qu'il n'y a pas tout le temps les blisters à liseré sur les anciens jeux. Et le petit Wally, du coup, avec une édition un peu spéciale comme ça. Donc très, très, très sympa. Pour les deux, j'ai payé 25€. Donc je pense que c'est un bon prix. Le Resident Evil, à lui tout seul, il vaut entre 20 et 25€. Donc... Avoir les deux pour 25€, je pense que c'est pas trop mal. Qu'est-ce qu'on va attaquer? Je vais vous montrer toutes les figurines Pokémon que j'ai achetées. Ça, c'est... Là, c'est du lourd. J'ai vraiment acheté beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en Pokémon. On va commencer avec ce magnifique réveil, si je dis pas de bêtises, vintage de Salamèche, en super état. Je me rappelle même plus comment je l'ai payé. Je me crois que c'était 15€. Ça devait être 15€, quelque chose comme ça. Et il est vraiment tout, tout beau, tout trop propre, tout propre, le petit Salamèche.
Il fait trop plaisir, il est trop beau. Sachant que j'avais le Pikachu, mais comme ça je complète. Ça, c'est mon frère qui l'a ramené, donc j'ai juste récupéré à mon frère une petite figurine de pierre. Donc c'est pas les Tomy que je collectionne d'habitude, parce que celle-ci, elle est articulée. Hop. Mais en vrai, elle est très très cool. Et figurine de pierre, on en voit rarement. Sachant qu'en plus, pour le coup, sur le vide-grenier, j'ai trouvé la vraie figurine Tomy de Sacha. Donc comme ça, j'ai Sacha Pierre, il ne manquera plus qu'à trouver une figurine de Ondine. Sachant que j'ai Jesse, il me faudra James aussi. Et je crois que j'aurai un peu toutes les figurines des personnages emblématiques de la première série. Et ensuite, un énorme lot. Bam! Regardez. Un énorme lot de figurines Tomy. Je vais essayer de vous les passer les unes après les autres. Allez, on commence avec le petit rond doudou. Je vais enlever ça parce que je pense que ça va peut-être faire des focus bizarres sinon. Le petit rond doudou. Donc elles sont pas toutes en super état. Toutes, je les ai payées en moyenne 2€ annoncées, sauf que vu que je prenais des lots, à chaque fois, je payais un peu moins cher. Donc quand je les vois à ce prix-là, je les prends directement, même si je les ai potentiellement déjà, parce que pour les améliorer en termes d'état et pour 2€, au moins, je sais que je suis pas perdant. Allez, je vous les passe tous. Le petit Pierre Fabec, le petit Reptincelle, on a du Mewtwo. Ça rappelle trop de souvenirs, parce que je les avais toutes étant petites. Petit, pardon. Le Habbo, le petit Florizarre. On a un petit Bulbizarre ici. Le Grolème, que lui, on voit pas souvent, en vrai. Le petit Grolème. Le petit Caninos, qui est trop trop beau, avec Arcanin. Mais Arcanin, je suis pas sûr que ce soit la Tomy originelle. Faudra que je me renseigne un petit peu. Parce qu'il y en a certaines là, par exemple, j'ai trouvé Tyranocif. Il est horrible, mais c'est un des Pokémon préférés. Et lui, je sais pas, comme c'est pas la première génération, il y a plein de générations de Tomy que je connais pas trop. Ça, c'est vraiment les premières que j'ai eues. Mais il y en a eu d'autres, donc je vais me renseigner petit à petit, hein, pour essayer de choper, en tout cas, les vraies premières que moi j'avais, donc celle-ci étant petite en entier. Allez, je vous passe tout ça, on a le petit Lugia, le petit Tarcel pour la chérie, tac, le petit Tétarte, celui-ci qui est trop trop cool, le Ectoplasma, on a le Parasect, très chaud à trouver parce que souvent ses pattes se cassent, Psychoquack, Pokémon préféré de mon frère, qui est trop cool. Le Mimitos, le Porygon, le Poissirène, c'est tout le Pokédex que je vous fais là, le Magnéton, le Carapuce, un petit Smogo, un Smogogo, Alakazam, Salamèche, tac tac tac, Herbizarre et l'une des meilleures pour la fin, la OO mais en grand format comme ça. Pareil, par exemple, ça, je sais pas d'où elle vient, je sais pas si c'est une Tomy classique, parce qu'elle est vraiment beaucoup, beaucoup plus grande que les autres. Et elle est trop, trop, trop classe. Le problème, c'est que maintenant que je sais qu'il y a un OO comme ça, je me doute qu'il doit avoir un Lugia, et il va me falloir la Lugia pour compléter, absolument. Ensuite, petit achat One Piece, ça a été le seul, parce que j'ai pas trouvé de carte anglaise qui manquait en alternate, avec cette petite, comment on appelle ça déjà, porte-document, quoi, qu'on gagne dans les Ichiban. Avec la petite Vivi que moi et ma compagne, on adore. Et derrière, son compère. Donc, très, très sympa. Allez, on va passer à ce qui vous intéresse peut-être le plus, les cartes. Alors, les cartes, avant de vous montrer du Pokémon, je vais juste vous montrer du Dragon Ball que j'ai récupéré sur le vide-grenier. Même si je ne les ai pas achetés sur le vide-grenier. C'est des trucs que j'ai achetés sur Vogue GGT pour mon frère, mais il y en a certaines qu'il a en double que je récupérerai pour moi, mais j'ai récupéré l'eau sur le VG, et comme ça, ça me permet de vous parler de Vogue GGT en vous disant que avec ma compagne, on a lancé notre chaîne, boutique, je sais pas comment on appelle ça sur Vogue, bref, et qu'on va faire des petits lives avec des cartes Pokémon. On en a fait un, ça s'est très bien passé, donc on en fera de temps en temps. Et donc on s'appelle Braz33 sur Vogue. Donc si vous voulez aller voir, ça va être vraiment cool. Et du coup, pour mon frère, j'ai récupéré en gros plein de Ondan Dragon Ball sur le site. Tac. Donc pour ceux qui connaissent pas, en gros, c'est un site de vente aux enchères, mais en live. Donc c'est comme un live Twitch, sauf que tu vends des cartes ou des jeux, des figurines pop. Il y a un peu de tout, il y a même de la mode, etc. Les gens mettent un prix de départ et après tu peux enchérir. Donc pour vous donner une idée, tout ce gros lot de cartes Ondan, j'en ai eu pour à peine plus de 50€. Sachant que il y avait ce qu'on appelle des giveaways. Donc en gros, à chaque achat, il y avait des cartes qui étaient offertes. Et du coup,
j'avais eu tout ça de cartes offertes grâce à mes achats. Donc, pour en gros 50 euros, t'as le lot de Hondan et un énorme lot de Heroes. Sachant que moi, les Heroes, j'aime bien les Heroes. Même pas les communes, mais je fais bien les brillantes un peu comme ça. Donc, je vais vous montrer un petit peu vite fait. Mais il y en a vraiment des très, très, très belles, quoi. Elles sont vraiment très, très cool. Oh, celle-là, par exemple. Elle est incroyable. Enfin, bref. Regardez-moi ça. Il y a vraiment de très très belles cartes. J'ai pas tout bien regardé, tout bien trié, etc. Regardez. Oh là là, la Broly, la Gohan. Bref, beaucoup beaucoup de belles cartes. Vogue GGT pour ceux qui connaissent pas. Franchement, il y a des dingueries à faire. Au niveau des cartes Pokémon que je vais vous présenter, il y en a énormément. Je sais plus exactement combien j'ai payé telle ou telle carte. Ce que je peux vous dire, c'est que pour l'ensemble de ce qui va passer après, j'ai payé moins de 200 euros. Donc toutes les cartes que je vais vous montrer, en globalité, ça m'a coûté moins de 200 euros. Et vous allez voir, il y a des dingueries. Déjà, on commence assez bien parce que j'ai récupéré deux boosters que j'avais pas de offensive vapeur avec Yveltal et Xerneas. Donc ils vont rentrer, qui vont rester dans la collecte scellée comme ça parce qu'ils sont vraiment très très beaux, je trouve. C'est dommage qu'il n'y ait pas... Il y avait normalement, il y en a avec Gardevoir que j'aurais aimé récupérer pour ma compagne, mais la personne n'avait que ces deux-là. Et après, on va rentrer directement dans la Cardass. Et là, on est bien. Vous allez voir avec donc les deux petites cartes pour commencer. Mais ça, c'est pour ma compagne qui fait toutes les cartes de Gardevoir, Tarsal, Kirelia et Galam. Je vais récupérer la petite Kirelia, enfin les deux petites Kirelia en reverse. Donc de noir et blanc, donc ça commence à dater. Et après, on est parti pour le sale. On commence avec l'ouvrière. Petite Jirachi radieux, un petit lot de V ici avec du Arcanin, oh oh, magnifique, Lugia, des petites TG, petit Démolos X qui fait plaisir, Charmilly, Liputou, Kelurior, et là, regardez bien, vous n'êtes pas prêts, du Bloc X avec Negapi, Galam, le petit Bastiodon qui est sympa, Cisaiox de Earthgold Soulseaver, très très belle. Encore du Bloc X. Du Bloc X encore avec ce petit Ammonita. Le petit Shaymin qui est sympatoche. Des Molosses du Bloc X en holographique. Magnifique. Delcatic, j'ai pris en deux fois parce que les deux, elles étaient en super état. Donc il y en a une qui partira sur Voct. Noctali, pareil, que j'ai pris en deux fois. Magnifique carte. Ce Evoli qui est trop mignon. Volcaropod, Graiena. Noctali, d'ailleurs je viens de me rendre compte que c'était pas la même holo. Donc faut que je regarde, moi je crois que j'en ai un à la maison, faudrait que je regarde. Trio Picker du Bloc X, Raichu, oh là là là, ce Raichu là, elle est magnifique. Delcati encore, mais cette fois-ci du Bloc X, très très belle carte. Donc voilà, la Delcati en doublant. La petite Celebi, sachant que par rapport à Vogue, par exemple, cette carte-là, moi, je vais la mettre à 1€ prix de départ. Après, ça partira peut-être un peu plus, mais nous, sur l'achat, on met que du 1€ prix de départ. Vasilis, qui rappelle trop de souvenirs, cette carte. Trop, trop belle du Bloc X. Deoxys du Bloc X. Oh là 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 là. Incroyable. La petite Meganium. Un petit lot de cartes Wizard communes, mais en état... dire sortie de booster parce qu'il faut pas forcer, mais en très très bon état quoi. Petit Carapuce, celle-là c'est la plus abîmée, mais ça reste du Carapuce. Je sais que ça fera plaisir sur le live. Psychoquack par exemple aussi, je sais que ça fera plaisir en très bon état. Rwagada, oh là là là, regardez-moi cette dinguerie. Hyporoi, espèce Delta. Là on est sur de la très belle carte. Je pense que je l'ai déjà, faudra que je vérifie, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je l'aurai pas aussi propre. Je pense pas. Corailon du Bloc X encore avec la petite Reverse du coup. Très très belle avec les énergies dans le fond. Ça, pour compléter mon set Jungle, il va me manquer plus que 2 ou 3 cartes pour compléter maintenant. Parce que je rentre Aeromite et Kangourex. Le Kangourex en état très moyen et le Aeromite lui en état... Il a l'air en meilleur état, mais c'est pas le cas parce qu'en fait il a une fausse pli, enfin il a une sorte de pliure là en bas. Mais bon, ça permet de compléter en attendant de trouver mieux et comme ça j'avance petit à petit et je suis très très content. Hop là, on continue, on est presque à la fin, mais franchement déjà rien que pour là, hein, je sais pas si on n'est pas déjà aux 200 euros limite avec
avec tout ce que je vous ai montré entre les boosters et les cartes. Le petit Maconeur Prime, très très beau, avec son poteau lourd, sa ring. Et là, on va avoir beaucoup d'AR de écarlate et violet, je suis trop content. J'adore ces cartes, je les trouve magnifiques. Donc, sachant qu'elles sont très très dures à tomber, réussir à les rentrer en lot pour pas cher, là c'est mon collègue qui est exposé avec moi, Nico, qui m'a tout vendu. Merci beaucoup, parce qu'en plus, il fait des... enfin, sur son stand, il s'est fait dévaliser, parce qu'il fait que des bons tarifs, honnêtement. Et pff, elles sont trop trop belles. Ça va dans le classeur, ça bougera jamais. Le petit frigo d'eau, sachant que j'ai les deux autres qui vont avec, donc j'ai réuni toute la famille, je suis très content. Magirev, qui était une de mes préférées d'évolution à Paldea, que je voulais absolument. Scarino, qui est magnifique. C'est des œuvres d'art, ces cartes, vraiment. Malos, je vous en parlais dans la dernière vidéo, qui faisait partie des trois cartes que je voulais le plus, de Flamme Obsidienne. Donc maintenant, il me faudra le Fenard et la Cisaiox. Le petit Coiffeton, trop mignon. Le petit Dracaufeu X, donc la version classique, pas la Full Art, mais c'est presque celle que je préfère, je pense, avec le côté obscur de la carte, je la trouve très très jolie. Derrière, on va avoir une petite gueule de Quencia, où on a un petit gourmelet ici, trop mignon. C'est ce qui m'a fait un peu craquer sur la carte. On va avoir une très belle carte du bloc X avec ce Léviator espèce Delta Fantôme Holland. Bon, elle n'est pas en super état, mais la carte est juste splendide. Et enfin, boum, la petite Mimosa qui était, enfin, qui est magnifique, qui faisait partie des 2-3 cartes que je voulais le plus de la première extension Écarlate et Violet, et qui rentre du coup dans la collection. Donc en vrai, tout ce que je vous ai montré là, des boosters jusqu'à la Mimosa, pour, ouais, je dirais 180 euros à peu près. Franchement, c'est une dinguerie. C'est des super affaires. Les Tommy, les figurines et tout. Enfin, elles sont trop, trop belles. Je suis trop content. En plus, il y en a certaines qui sont en super état. Voilà, donc je suis ravi de ce vide-grenier. Ça a été une dinguerie, une super journée. Merci à tous ceux qui sont passés nous voir, avec qui on discute sur les VG. C'est vraiment trop, trop cool. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao !